regardless. Hello, so I'm going to speak in English just to change things a bit. So if anybody needs translation, please grab some headphones. Okay, so we're going to talk about local observatories, and I'm going to try to speak slowly for the translation because I have a tendency to speak very quickly. So we're going to talk about local observatories. And we've been talking in this session just now about the importance of information. So Sihatem was talking about different tools that we can use, surveys, opinion polls, citizen scorecards. These are all different methodologies that we can use for gaining information. And information is something very important, not just for governments who like to collect a lot of information, but also for citizens, because we need to have information about what our government is doing, whether it's at national level or whether it's at local level with our municipalities. And we saw with the previous panel that there is a serious problem with information in Tunisia, that there is that citizens don't have enough information on what their municipalities are doing, that the municipalities themselves don't really have information about what their citizens need and where the problems are, and that there is not enough exchange of information. There's not enough communication between the different sides. So we thought that we would focus this panel on one tool for collecting information and for exchange of information at local level, which is observatories, marasid. And observatories are very varied. There are different models around the world. But essentially, what an observatory does is it observes the environment around it. So it collects constantly data and information and statistics. It can be about the environment, it can be about health, it can be about transport, etc. And it transmits this information to decision makers with the aim of improving policies and with the aim of improving services in the end to develop and deliver a better quality of life for the citizens. So we decided to focus the session on citizen observatories, and we have a different variety of examples, initiatives, and experiences around the panel that we would like you to share with us. So I'm not going to delay any further. I know that I'm standing between you and your lunch, which is not a good position to be. So we're going to try to be quick and get the ideas across as quickly as possible. So I wanted to start with Ellen Lust. And Ellen Lust is an academic. She's an expert on the Middle East. And she is founding director of the program on local government on governance and local development. I always get them mixed up. Governance and local development at Yale University, and now teaching at University of Gothenburg in Sweden. Ellen has done a lot of work in the Middle East for many years. She has published many books on the Arab world, and she has conducted surveys and studies in Tunisia, Egypt, Yemen, Libya, Palestine, and many other countries. So I'll start with you, Ellen. Okay, thank you. Thank you. There's supposed to be a set of slides, but let me tell you first that actually what we know a lot about, and I'm an academic, so I come at this, of course, from an academic's point of view, and I'll try to give you a sense of experiences and both mine but also others. And it's interesting because we actually know much more about how information works than we know about how local observatories work. And so what we'll be talking a little bit about, is a clicker? Ah, here it is. We'll be talking about is the role of local observatories, some of the challenges that I think that we can observe about them, given the other experiences, and then just sort of a beginning of a brainstorming on potential solutions. That's what I thought we would do. So the underlying model, and actually I'm not going to belabor this because we've just in a sense discussed this, is this notion about using local observatories to collect information. I have it here about citizens, but basically about like
And so I was explaining about the world around them and then transmitting that to officials, but also the sort of the reversal as well, trying to take information and pass it back down to citizens. In some ways, providing a linkage between the two. And if we're looking at it with regards to particularly sort of local observatories or thinking about the potential for using this mechanism with local governments, right, and especially in the period of decentralization and hopefully municipal elections, then it's actually, I wanted to focus a little bit about what could be done with regards to locally placed local observatories in this case. And there's three main questions. The first is, what is the role in terms of the observatory in creating these linkages, right? So what kinds of information, what kinds of mobilization roles can they play? The second is, what are the challenges to doing so effectively and to both linking citizens and government or information passing in this way? And then the third is, as I noted, what kinds of ways can we think about how these can be addressed? And again, I'll be giving you some examples from lessons from our work and others. I'm going to be a bit telegraphic because I do know that we have very limited time, and then, of course, I'm happy to pick up on anything at any other points of time. So we've talked a lot about this in the first session, and in some ways that's great because it sets very nicely the stage for this. But basically, one set of information is from citizens that local observatories essentially need to gather from citizens in this case, is what are the needs and priorities, what's the sets of experiences, but also what are the sets of kind of active solutions out there. And this is along the lines of what Julie was explaining earlier today as well, right? That we can get not just an understanding of what needs or service experiences, et cetera, are through community scorecards and other mechanisms, but we can also understand both how citizens solve the problems and what kinds of behavior and engagement they have, and also what are the sets of solutions that they see being sort of much closer to the ground. And then similarly, what citizens essentially can gain from local observatories as well as from others, right, is that basically sort of it can become a mechanism for mobilizing or activating a dialogue around needs and priorities, for understanding and having a better set of information on what are sort of government activities and decision making, and also for thinking about the potential sort of opportunities and solutions, right? So that shouldn't be surprising, and in some ways, of course, what goes on with the flip side in terms of linking to local governments is also similarly. And here again, I'm imagining or thinking about us as focusing this conversation about what would happen if you have local observatories who are essentially sort of place-based, as they were with Mohammadiyahs, et cetera, as opposed to you can have them on issue areas as well, right? They can be over the environment, they can be over other sets of issues, but we're focusing here on sort of place. And again, sort of thinking about the sort of how they can transmit the same information about citizens' needs, activities, and solutions back up to government, or help to sort of make that connection, and then do the same thing with local governments. Understandings not only of what are activities or outcomes, but also of decision-making processes. Because I think that's decision-making processes and constraints is one of those things that gets sort of lost in the understanding. Citizens see that nothing's happening. They sort of have all sorts of kind of theories about why that is, but having interlocutors who can observe and say, okay, this is what takes place, can be a helpful mechanism, especially for creating both linkages but also trust and enhancing communication. So there's a lot of advantages, right? So, I mean, these are tend to be communities, and so they know the issues or the communities well, especially when you're drawing observatories from local citizens. They're dedicated and have a strong interest in them. There's a long-term engagement, either, again, with issues or with the community, which means that that it's better than sort of experts, quote-unquote, experts dropping in and dropping out, right? I mean, they can actually be have a much better understanding of the dynamics and change, and of course, they're well-placed to gather the information. So there's, again, a lot of things I think that we can be very excited about this as a tool for development. More slowly, I'm so sorry, okay.
There's also some, and what we see, in terms of at least the impact of information, has some mixed results. As I noted before, we don't have a lot of really good sort of studies and evidence of the impact of observatories, which is something I actually think that we might want to think about in the future. But basically, what do we know about the impact of information? So taking as an example, the Public Administration Performance Index, which is what PAPI stands for here. It was a UNDP project that some of my team was engaged in. And basically, it was interesting because the first what they noticed was they this is a using a survey to gather information about how administration is performing in particular areas, and in this case, provinces. And between the first and second round, those who had done poorly in the first round, really basically they actually sought out assistance. They looked for ways to kind of solve problems. Those who performed poorly wanted to figure out how to improve. This is local governments, right, or governments. So on the one hand, the information can prompt decision makers to say, okay, we're not doing as well as we'd like to do. Let's do something differently, and to actually seek solutions. The other thing, though, is that this was done over at least 6 years, and by the end, there was also sort of a starting to beginning gaming of the system. In other words, that they started to be able to say, okay, here's the information that we know you're going to be asked. Here are the correct answers, right? So a sense in which the governments, rather than only seeking ways to solve the problems, can also seek ways to make themselves look better without necessarily solving the problems, right? So it's an interesting and an important experiment or piece of evidence about how information can work both ways. Similarly, we've seen some mixed successes in what was a mobilization around health in Uganda, where basically citizens were asked their experiences. There was a sort of a set of community meetings where citizens, in this case, and the sort of those who were in charge of health clinics and health services met and discussed what were potential solutions, right? Now, in the early work, it showed a dramatic sort of improvement in health outcomes, so it seems very, very promising. Later work done in the same communities has shown much less of a sort of much less success. There's a lot of reasons we can understand that, one of which may be that that there's a way in which at first information has an impact, and then that impact might diminish. That was similar, I think, with the PAPI, and it's something, again, to think about and keep in mind. A third one, which is a project that was done by Tuweza in Tanzania, shows the limits of information by itself, right? And in this case, what happened was they went out and they did a lot of really, really extensive analysis of how students were learning, including giving them small tests and trying to really understand what was going on in schools, and took this information back to parents. The expectation was when parents knew that their children were having trouble, that they would therefore put pressure on the schools to change, that they would engage and be much more, work even more with their children. What they found was actually there's very little impact of just having the information alone. They're now in the process of trying to combine that with meeting with the teachers and trying to think about other ways in which that information alone model can be improved. So if you take from these kinds of examples and from others, what do we know? We know that information alone doesn't often change outcomes, and a lot of times that's because people know the problems they face. A lot of times this information that outsiders especially think that they're giving is stuff that if you'd asked anybody, they could have told you, yes, we know that my child is not learning, we know that the teachers aren't in school. It's not news, right? So the second, of course, is that it's a caution about the potential interference of stakeholders' attempts to shape the kind of information that people get. There's also, I think, an important set of questions around the legitimacy of the observatories themselves, right? So questions about politicization or even the appearance of politicization. It doesn't have to be that they're politicized. It has to be that you can delegitimize the information by claiming that they are politicized. That is, I think, a very important thing to keep in mind. And then, of course, within all of this, just to make things more messy,
context matters, right? There's you know, going to be sort of areas where politicization is a bigger problem, polarization is a bigger problem, where there's trust is levels or cohesion is higher or lower. I found the comment in the first panel, I think, both interesting and correct, which was, okay, you know, we went in and did these where the project was going to be accepted, because in some ways that means it was more likely to succeed. And there is something to be said for having early successes that then can encourage others to take on board models that are useful. So trying to be brief, but some ideas about how to make information matter. The first is to think about the types of information, right? So information on how bad the sort of school system is doing, or how the, you know, whether or not people are showing up to local council meetings, et cetera, may not be so useful, but information or so unknown, but it might be useful, for example, for government officials to understand how people are actually coping. Who are they turning to in the absence of turning to the officials? What solutions are they using, and as of course to have sort of understandings of trust and engagement with them, and especially to make sure that the marginalized are being brought in, right? So one of my concerns often with a lot of like the community scorecards, for example, or service facility indicators, etc., is that they ask people who actually have received the services, right? But then we don't actually know what's happening to the people who aren't receiving them, or how they're and even sort of a really good understanding of who they are. Community scorecards, I was very excited about the first panel in this regard. I mean, a lot of times they fail to make comparisons with other communities, right? So knowing how you fit with another community is better than just knowing that your education is bad, right? So my education is bad, but your education is bad, then we all think, okay, that's fine, this is the way it is. My education is bad and yours is good, I say, wait a second, why is it that they can do something that's different, right? I'm in the same thing, and this was mentioned earlier as well, but the idea about sort of understanding positive outcomes, right? That there are potential solutions. So information that not may not necessarily be about that community, but that passes along essentially sort of positive deviance lessons can be very, very useful. I think I'm speeding up again, sorry. So also, how do we enhance the legitimacy and trust of information? The first one, of course, I'm an academic, and so I always believe in third-party assurances of quality data, but that's or data quality, but that is, I think, an important sort of potential use. So the idea that something is politicized can be reduced if there's a third party that says it. There's also ways to, and I'm just going to jump down by two, but basically triangulation of different data, right, can be very helpful. So, you know, that you're getting the same thing from focus groups and from surveys and from other sets of data can be very useful. The importance of diversifying either the observatories or who the data goes to. In other words, to say, okay, here's what we know, and having multiple actors, either multiple, you know, very diverse teams or very diverse sets of organizations have that information and be able to debate it can, I think, actually be a positive way to both help sort of maintain the legitimacy of the observatories, but also to provide energy into the system. And finally, a lot of times there's been attempts to use long-term observers, but in a kind of a voluntary basis, right? So I'll give you a cell phone and every month I'll ask you how you're doing, for instance. What they've tended to find is that wears out, that people are excited to do this for a while and they get very tired of having to report in. And so finding ways to incentivize that, I think, is important. Okay. Finally, mobilizing information around information, and this, I think, frankly, Jasmine and others in this room do better than I do, so I'm not going to say much about it, but it is important to realize the extent to which that engagement between the decision makers and the citizens can be key. And the second thing, which I've been a little bit disappointed, so I worked on this Trust, Voice, and Incentives with the World Bank, and we used a lot of positive deviance. There's positive examples, and there's some really just amazing, as we all know, there's amazing people out doing, making real change in sort of very creative and smaller ways. And the idea was, okay, let's share these stories. But what I really think would be fantastic, and I don't know that it's been picked up by anyone, but is to have those be sort of resources, right? So communities bringing in a school teacher or principal who's managed to turn her school around, or bringing in people who've had sort of very creative ways to solve problems, doesn't mean that that solution fits the new community, but it does mean that
thinking, and this was the key as well to the earlier discussion about thinking about brainstorming, right, with the dairy, for instance, or how can you bring people together and provide a notion of we can that can help to make sort of sense in the local, you know, in the local context with the local problems. So it's not a one size fits all, but it is to say that there's ways of bringing people together to find creative solutions. So just to very briefly in conclusion, I mean, I think information observatories are obviously important, and particularly important in strengthening, you know, what's going to be sort of local governments in decentralized periods. There's a lot of important considerations, thinking about the organization, the notion of information gathering, how that's mobilized. And finally, it goes back to one for no apparent reason, but I think it is in my view, also a really important point, which is if it's done in a context where even with all of the information, with all of the goodwill and all of the communication, there's such limited resources and such high constraints that local governments can't do anything, it will only become actually a very frustrating experience for all, right? So it needs to be coupled with continued sort of eye towards making sure that local governments will actually have the capacity to be able to make a difference. Thank you very much, Ellen, for that very quick overview of observatories. And you mentioned a point that I think is really interesting that I just want to emphasize, that information by itself is not enough. So I think that's something we need to keep in mind as well, something we can take away, that information is the first step, but that information needs to be mobilized and needs to be used by different actors in order for it to become useful, right? So I wanted to bring in here Salim at this point, because your organization, Marsad Baladia, we're going to talk about specifically, but also Balsala, is working on information, right? It's working on collecting information from municipalities in particular. So I wanted to, if you could talk to us in Arabic, French, English, whatever you want, about your experience of trying to access information at the local level, and how has the relationship been with municipalities, and how have they been dealing with you? D'abord, un grand merci à la Fondation de me donner l'opportunité de partager notre expérience au sein d'Al-Bawsala sur notre deuxième projet. Marsad Baladeya, l'Observatoire des municipalités, un deuxième projet qui est né en 2014 à la suite du lancement du premier projet Marsad Majlis, qui a suivi les travaux de l'Assemblée nationale constituante et qui continue d'observer les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple. L'idée pour nous était de ne pas rester uniquement sur une échelle nationale à travers l'observation de l'organe législatif, mais de descendre aussi au niveau local. C'était pour nous très important d'aller à ce niveau-là. Et avant de commencer à décrire le projet, juste un bref rappel du contexte, qui est toujours d'ailleurs actuel. Hein. Le contexte est marqué par une grande méfiance des citoyens vis-à-vis du rendement, en tout cas, des autorités locales, hein, quel que soit d'ailleurs le niveau des autorités locales. Et l'un des indicateurs d'ailleurs qui prouve cela, c'est le très faible pourcentage des Tunisiens qui payent leurs taxes locales, hein, et ça c'est une évidence, parce qu'en contrepartie ils ne trouvent pas de résultats, ou en tout cas ils n'ont pas confiance sur la capacité des autorités locales à bien utiliser cet argent là. L'autre élément déterminant du contexte, c'est l'absence totale de la culture de la redevabilité et de la culture de la transparence. Mais alors là, c'est quand on a commencé à visiter les premières municipalités, c'est comme si on descendait de la planète Mars. Voilà. Mais cela ne nous a pas découragés, et la première phase du projet consistait à aller voir chacune des 286 municipalités. À l'époque, c'était 286 municipalités, aujourd'hui c'est dans les 350. 264, merci, oui. Et voilà, donc une espèce de pèlerinage national avec une équipe très motivée qui a fait des centaines de milliers de kilomètres. Et pour nous, le contact physique était important parce que prendre le téléphone ou envoyer un mail n'était pas suffisant. Il
il fallait aussi un effort d'explication sur le pourquoi on fait ça, pourquoi on va leur demander des informations, des données sur la municipalité. Cela nous a pris un an et demi, hein. Avant même de lancer d'ailleurs l'observatoire à la plateforme en ligne, hein, il fallait collecter suffisamment d'informations sur chacune de ces 264 municipalités pour pouvoir créer du contenu, hein, qui soit utile. D'autant qu'on a demandé énormément d'informations, peut-être beaucoup plus que les capacités des municipalités à collecter ces informations, voire même à les créer, parce que certaines informations, il a fallu qu'ils travaillent pour qu'ils les rendent existantes. On leur a demandé, bien sûr, le budget annuel des municipalités, mais aussi le parc automobile utilisé par les municipalités, la structure des ressources humaines qui travaillent au sein de la municipalité, l'évolution de la dette aussi de la municipalité, quels sont les projets de développement en cours de la municipalité et leur niveau d'avancement, quels sont les données très basiques de la circonscription ou la délégation qui est couverte par les municipalités, voilà, etc. Un certain nombre de données très importantes. Et c'est vrai que le premier défi qu'on a rencontré, c'est qu'il a vraiment fallu les accompagner, hein, les aider pour qu'ils puissent collecter ces informations. Alors, bien sûr, tout le monde ne nous a pas accueillis les bras ouverts. Alors, ça va de qui êtes-vous et quelle est votre légitimité pour demander ce genre d'informations, jusqu'à je n'ai pas d'instruction de l'autorité centrale, en passant par mais qui vous finance et qui nous garantit que ces informations ne vont pas aller chez le KGB ou chez la CIA. Voilà, donc on a vraiment entendu toutes les raisons et les arguments pour justifier leur refus. Mais en revanche, nous, notre approche, elle était basée sur la loi d'accès à l'information. Alors à l'époque, c'était un décret-loi qui s'est transformé en cours de route en loi. Et on a appliqué les dispositions de la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu du temps à leur dire non, mais c'est un droit dont on dispose comme citoyen, un droit d'accès à l'information publique, etc. On a juste, de manière très rigoureuse, appliqué la loi, c'est-à-dire qu'au bout du délai garanti par la loi, au bout de ce délai-là, si on constate, on observe que la municipalité ne nous a pas transmis les demandes, là, on n'a pas hésité à actionner des actions en justice. Et d'ailleurs, anecdote, on ne l'a pas beaucoup fait parce que notre objectif, ce n'est pas de passer notre temps à poursuivre des autorités locales ou des collectivités locales. Mais pour anecdote, la seule fois où on a dû avoir recours, ou en tout cas où on est arrivé au bout du process et on a lancé une plainte auprès du tribunal administratif, c'était contre une municipalité du gouvernorat de Nabeul. Je peux vous garantir que, bien sûr, alors on l'a dit dans la radio, hein, on a informé de notre intention de porter plainte. Je peux vous garantir que toutes les demandes en suspens, qui se comptaient à l'époque dans les 70 demandes en suspens, sont parvenues en 2-3 heures de toutes les municipalités. Les fax étaient saturés, les mails étaient saturés, les téléphones étaient saturés, et tous les responsables locaux sont devenus très collaboratifs, très coopératifs. Donc, juste pour vous dire que en fait, c'est un des outils qu'on a utilisé justement pour inciter, pour motiver, hein, les municipalités à nous donner accès à ces informations-là. Le deuxième outil, c'est ce qu'on a exactement employé pour le Parlement, mais on l'a fait aussi pour les municipalités, c'est qu'on a élaboré un indice de la transparence de chaque municipalité. Et donc régulièrement, on sort un classement. Qui est le premier de la classe, qui est le deuxième de la classe et qui est le dernier de la classe. Et ça, je peux vous dire que ça marche beaucoup. Ça, vraiment, c'est...
Oui, voilà, ça marche pour les mauvais et ça motive d'autant plus les meilleurs. Hein. Je me rappelle, dans l'un des classements qu'on a sorti, la municipalité de Mahrez est venue en premier lieu. Elle était classée numéro 1 sur toutes les municipalités. Ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Hein. Ils nous ont appelés pour nous dire, est-ce que vous êtes sûr finalement de votre résultat? Et effectivement, hein, et d'ailleurs ça contredit certaines croyances qui disent que ce sont les municipalités les plus munies, les plus développées ou les plus grandes, entre guillemets, qui sont à même à se montrer les plus transparentes. Non, il s'agit vraiment de volonté du personnel de la municipalité, voire même de conviction de ces agents-là, de ces agents publics, hein, par rapport à la question de la transparence et du devoir de rendre compte. Voilà, donc deux outils principaux, la loi d'accès à l'information, hein, et aussi, il faut le dire, une certaine audace qu'il a fallu qu'on déploie pour aller jusqu'au bout de ce process-là, et on n'a pas hésité à porter plainte. Et puis le deuxième, c'est le classement, parce que la compétition, elle motive finalement. Hein, mais c'est une compétition plutôt soft. Hein, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les meilleurs élèves puissent inspirer les moins bons. Alors, et puis ensuite, on est passé à un deuxième stade du travail d'observation, puisqu'on a commencé à recruter un réseau d'observateurs locaux. Donc, on a lancé un appel et on a sélectionné au fur et à mesure un groupe d'observateurs qui sont localisés dans les quatre coins du pays et dont l'objectif était d'assister notamment aux réunions publiques organisé par les municipalités pour qu'ils puissent rédiger un PV, nous le faire parvenir, parce que nous, bien sûr, on était incapables d'être partout en même temps. Hein. Donc il a fallu bien sûr les former sur le travail municipal pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont censés surveiller, leur fournir quelques outils aussi en matière de monitoring et de suivi. On a même élaboré des formats génériques de PV d'une réunion publique d'une municipalité pour qu'ils puissent vraiment aller très vite et remplir juste les informations. Et au fur et à mesure, on a réussi à constituer un réseau de plus de 200 observateurs locaux. Et dont le rôle finalement a évolué puisque ils sont vraiment devenus nos yeux à l'échelle locale. Hein. Et pour vous illustrer cela, juste une autre anecdote. Un groupe de nos observateurs dans le gouvernorat de Monastir, qui suivait l'une des municipalités du gouvernorat, s'est rendu compte que les responsables de la municipalité ont publié un PV d'une réunion publique qui n'a jamais eu lieu. Eh oui, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Juste parce qu'il fallait être en norme par rapport à ce que prévoit la loi et qu'ils n'avaient pas trop envie d'organiser cette réunion publique, eh ben, ils ont pris l'initiative de rédiger cette réunion théorique ou virtuelle. Voilà. Et sans nos observateurs, finalement, on n'aurait jamais pu nous rendre compte de cela. Mais aussi leur travail va au-delà de cela, hein, va au-delà du travail de l'alerte hein, qu'ils peuvent lancer. Ils jouent aussi un rôle capital d'explication et de pédagogie auprès des responsables locaux, hein, notamment par rapport à leur devoir de communiquer suffisamment à l'avance auprès du grand public par rapport aux réunions publiques qu'ils souhaitent organiser. Ils leur rappellent aussi certains aspects de la loi. Hein, et on s'est rendu compte que certains agents territoriaux ne sont pas au fait de toutes les dispositions légales par rapport à leurs obligations. Et voilà. Et puis, dans certains cas, une véritable coopération s'est installée. Un véritable esprit de coopération. Voilà. C'est installé entre ces observateurs et les collectivités locales. Alors, pour conclure, les défis hein, qu'on rencontre toujours par rapport à ce travail-là. D'abord,
La très faible autonomie administrative et financière des collectivités locales, on attend à ce que ça bouge et que ça évolue avec les élections municipales et le process de décentralisation. Mais c'est vrai que c'est une grande faiblesse qui nous a nous-mêmes posé pas mal de problèmes par rapport à notre travail. L'autre constat, c'est il y a certaines municipalités qui sont dépourvues du strict minimum et strict nécessaire, enfin, le minimum nécessaire par rapport à leur travail. Certaines municipalités ne disposent même pas d'une imprimante ou d'un fax pour pouvoir nous envoyer les documents qu'on demande. Donc il a fallu parfois leur apporter un appui matériel et logistique et prendre ça en compte finalement par rapport à nos exigences vis-à-vis de ces collectivités. Et puis le troisième challenge, c'est le format des données qu'on nous transmet. Alors, si on a de la chance, on a des documents sous forme PDF, mais très souvent, ce sont des documents imprimés, envoyés par la poste. Ce qui a fait que, et nous, pour les mettre en ligne, ce qui a fait qu'il a fallu qu'on recrute des armées d'agents de saisie au sein d'Al-Bawsala, qui, les pauvres, je dis les pauvres parce que c'est un travail vraiment très fatigant, passent leur temps à taper tous les documents pour pouvoir les mettre en ligne. Les mettre en ligne et les transformer sous format numérique. Donc, on est vraiment loin de notre objectif d'être sur l'open data et de permettre à tous les visiteurs et les utilisateurs des données qu'on met en ligne de les réutiliser. On est vraiment très loin par rapport à cela. Le constat est le suivant, on est sur un process qui est par définition sur du long terme parce qu'on travaille sur un changement de la culture, des pratiques, et des perceptions, et notamment des autorités publiques. Aujourd'hui, le dernier rapport qu'on a réalisé par rapport aux pratiques de transparence des municipalités, aujourd'hui, pas plus que 20% des municipalités disposent d'un site web dédié. Donc on est vraiment très loin du compte. Pour plusieurs raisons, et naturellement, la question des moyens mis à disposition vient souvent en premier lieu, pour expliquer ce manque de transparence et ce manque d'ouverture par rapport aux populations locales qui sont censées servir. Et puis, bien sûr, l'autre défi, c'est de faire en sorte que ces principes et ces valeurs, parce que je parle de principes et de valeurs, de redevabilité, de transparence, soient vraiment ancrées dans le travail de l'administration publique à l'échelle locale. Et notre rêve, j'ai envie de dire, c'est que demain, sans qu'on soit obligé à émettre des demandes d'accès à l'information, les municipalités pourront nous transmettre de manière quasi automatique, mais je précise, c'est un rêve, les données de manière régulière. Mais sans rêve, on ne peut pas avancer. Donc voilà, merci. Thank you very much, Salim, for explaining the experience over two or more years in a very short space of time. But it gives us hope as well, I think, because there are many municipalities where there are people who are working really hard and want and are looking for people from, you know, residents, citizens, civil society, who come with new ideas, who come with solutions. So that gives us real hope. So I wanted to move to the last speaker. And here we're moving from an experience which was national, in the case of Bawsala, to a local experience in Monastir. Lotfi Boussaïd. Lotfi Boussaïd is the president of l'Observatoire Urbain de Monastir. He's also the vice president of the Tunisian Order of Engineers, l'Ordre Tunisien, Ingénieur Tunisien. He is also a doctor, an engineer in microelectronics. And he's going to talk to us a bit about this experience in Monastir of setting up an urban observatory, which I believe is also a member of the global network of urban observatories. So please. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord donc remercier Jasmine Foundation pour l'invitation, donc pour cet événement donc d'une importance capitale pour le pays. Si je suis là, donc c'est pour partager avec vous donc notre petite expérience donc au niveau de l'Observatoire urbain de Monastir qui vient d'être
membre donc officiel au niveau du réseau mondial des observatoires urbains. Donc ça c'est récemment, il y a une année. Donc rapidement, donc je vais vous présenter le plan de la présentation. Donc je vais commencer par introduire donc le concept avec lequel on va travailler donc au niveau de l'observatoire. Donc on a commencé à travailler. Le réseau mondial des observatoires urbains. Et puis par la suite, donc créer, maintenir, comment donc on crée, on maintient donc les observatoires urbains, donc le contexte et tout ça. L'initiative de prospérité. Donc en fait, je serai obligé donc de survoler certaines diapositives étant donné que il y a pas mal de diapositives, donc mais je vais essayer de les survoler, mais je vais focaliser à la fin donc sur les travaux donc qu'on a commencé au niveau de l'observatoire urbain de Monastir. En fait, pour ceux qui connaissent pas ce monsieur, donc il s'agit bel et bien donc de Joseph Eugene Stiglitz, donc un économiste américain, donc prix Nobel d'économie de l'information en 2001. On lui doit la théorie du screening. Donc le screening, c'est quoi? C'est la collecte de données à partir d'agents de l'économie. On lui doit également donc la fameuse citation: si lui qui détient l'information détient le pouvoir. Et donc je dirais même donc si lui qui détient l'information essaie de l'exploiter, donc il détient le pouvoir. Voilà, donc en gros, avec l'avènement de l'industrie 4.0 qui s'articule principalement sur la technologie du TIC, et donc avec donc ce qu'on voit actuellement au niveau du big data, au niveau de l'internet des objets, du cloud computing, donc c'est le siècle du numérique. Et par la suite, il faudrait qu'on se prépare à ce siècle-là, donc il faudrait qu'il y ait une méthodologie au niveau de la collecte de données, au niveau de l'analyse et au niveau donc de la standardisation du donné. Et donc ça, ce concept-là, donc on a commencé donc à instaurer cette méthodologie, donc qui concerne à acquérir les données, la collecter d'une manière donc plus ou moins donc selon les standards, analyser et puis traiter et standardiser pour donc obtenir les 230 indicateurs cités au niveau des SDGs ou bien le programme de développement durable. À partir de là, donc à partir des 230 indicateurs, donc il faudrait confectionner encore une fois les données standardisées pour obtenir donc les 169 targets, si vous voulez, et puis par la suite finalement donc vérifier un peu, si vous voulez, donc l'état des lieux au niveau des 17 objectifs de développement durable. Donc c'est assez intéressant pour évaluer l'état des lieux dans un premier lieu, et c'est assez utile donc pour définir les bonnes stratégies, les bonnes politiques pour remédier aux problèmes qu'on rencontre au niveau donc des communautés, donc au niveau des villes urbaines. Et puis par la suite, en cours de route, une fois qu'on a mis les stratégies adéquates, il va falloir donc peut-être bien changer de stratégie en cours de route si donc on n'est pas sur les bonnes voies. Donc le feedback, ce qu'on appelait tout à l'heure le feedback, est assez important. Donc en gros, il faudrait donc qu'il y ait une certaine méthodologie donc pour la collecte de données, et puis surtout donc pour les standards, parce qu'il faudrait qu'on parle la même langue avec le monde. Quand on parle énergie nouvelle et propre, donc il faudrait qu'on parle les mêmes langues. Quand on parle donc de taux de mortalité ou bien de taux de précipitation, donc il faudrait avoir des standards au niveau mondial pour qu'on puisse se comparer et puis adopter les bonnes politiques pour remédier aux problèmes. Et c'est ce qu'on a donc essayé de faire. Je vais vous présenter rapidement donc ce que c'est le réseau mondial des observatoires urbains. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, donc ce qu'on constate, donc qu'il y a une grande évolution au niveau de la population urbaine. Donc en 70, le taux d'urbanisation est de 37%. Donc actuellement, en 2000,
le taux passe rapidement à 47% et on estime que en 2030, l'urbanisation sera donc au niveau mondial autour de 60%. Donc davantage de population dans les régions urbaines et il va falloir se préparer pour ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme challenge au niveau des villes urbaines? Donc beaucoup de challenges, donc générer les richesses, bien sûr, donc améliorer le développement social, fournir de l'emploi et donc préparer les incubateurs d'innovation et de créativité. Adra Kamel, innovation et la créativité, c'est un axe très important. Et en tant que vice-président de l'Ordre des ingénieurs, avec le 61 établissement de formation d'ingénieurs, 33 publics et 28 privés, nous sommes parmi les premiers au monde arabe, donc avec un taux de 9 ingénieurs pour 1000 habitants, donc un potentiel humain d'une grande importance qu'il va falloir donc prendre en considération et qu'il ne faut pas le marginaliser. Et malheureusement, il faudrait dire, avec toute franchise, donc nos compétences, que ce soit les universitaires ou SMAT, bien sûr, donc vous êtes au courant qu'il y a des grèves, donc parce que les universitaires, d'une manière générale, et les ingénieurs sont marginalisés, et malheureusement, donc nous sommes en train de ne pas prendre en considération ce gros potentiel humain qui va bâtir la Tunisie du troisième millénaire. En parallèle, donc, dans les bidonvilles, donc, il faudrait qu'on détecte les poches de pauvreté, l'exclusion et la marginalisation, la dégradation environnementale, les ruines, etc. Donc, comme je viens de le dire, il faudrait qu'il y ait un besoin donc, d'un feedback, donc un retour d'information donc, dans un monde qui est en urbanisation assez rapide. Donc, réellement, il faudrait comprendre les problèmes d'urbanisation, donc pauvreté, crime, pollution, notamment la pollution environnementale, donc avec les 1400 km qu'on a au niveau du littoral tunisien qui n'est pas bien exploité et qui est réellement marginalisé. C'est un problème qui nous fait souffrir avec en parallèle tout ce qui est absence de valorisation de déchets ménagers alors qu'on a 61 établissements de formation d'ingénieurs qui peuvent s'impliquer dans la valorisation de ce déchet ménager. Également, donc, il faudrait qu'il y ait donc, un suivi des performances des agences, des offices et des politiques du secteur public. Également, donc, il faut qu'il y ait un feedback dans le cycle de planification. Donc, on va mettre ensemble les programmes nécessaires pour remédier aux différents problèmes donc, rencontrés. Et donc, il faudrait qu'on évalue la situation actuelle, formuler les politiques et les programmes, hiérarchiser les objectifs et les objectifs spécifiques, suivi de l'implémentation, ça c'est important, et puis fournir les indicateurs pour effectuer des changements à mi-parcours. Donc les indicateurs, certainement, il faudrait que ça soit bien standardisé selon les standards internationaux pour qu'on puisse dialoguer et donc échanger les données donc, de manière correcte avec la même langue. Malheureusement, donc, ce qu'on constate actuellement, donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, donc, il y a une force, donc, il y a une résistance au changement. J'espère bien donc, qu'avec le temps, ça va venir. Donc, bien sûr, et à la fin, il faudrait qu'on communique les résultats. Donc, en gros, quel est le rôle d'un observatoire? Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il me reste plein de diapositives, donc, mais je vais focaliser notamment sur la dernière partie qui concerne, donc, si vous voulez, l'expérience de l'observatoire urbain de Monastir. Donc le rôle d'un observateur, c'est quoi? C'est développer, collecter, analyser les propres indicateurs pour surveiller une gamme de problèmes spécifiques, si vous voulez, à la région. Hein, donc bien sûr, selon une liste de priorités. Donc il faudrait qu'on fasse donc, du brainstorming, donc détecter les différents problèmes et puis les trier par ordre d'importance. Et puis par la suite, en fonction du budget, bien sûr, planifier donc, et prendre en considération donc, les problèmes d'une grande importance. Établir les mécanismes permanents pour le suivi des SDGs et des indicateurs urbains.
promouvoir l'utilisation des données urbaines donc dans la planification et l'élaboration des politiques au niveau local et ou national. Et puis finalement, donc, diffuser l'information pour renforcer donc, la transparence. Et finalement, donc, promouvoir l'appropriation locale de systèmes d'indicateurs urbains et la culture de suivi et de l'évaluation. Voilà, donc dans tout ça, quel est le rôle donc, du réseau mondial des observateurs urbains? En fait, c'est fournir le soutien donc, aux observatoires, que ce soit à niveau local, régional ou bien national, en matière de planification et de politique urbaine. Information sur le savoir-faire et partager les meilleures pratiques et leçons à apprendre. Faciliter les accords de partenariat et puis orienter la formulation d'une politique claire. Voilà, donc en gros, donc, assurer l'application des directives sur les indicateurs urbains, fournir des outils tels que Urban Info, donc c'est un package avec lequel on a travaillé et ça nous permet donc de faire des statistiques autour de problématiques qui concernent la région et donc entre autres, se doter de technologies géospatiales. Comme vous le savez, donc actuellement, il y a les systèmes d'information géographique qui pourraient être assez intéressants donc, pour des problèmes bien déterminés. Voilà, donc en gros, les partenaires avec lesquels il faudrait donc, collaborer, c'est en premier lieu les gouvernements, parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va présenter par la suite n'a aucun intérêt si il n'y a pas donc, une étroite collaboration avec les autorités locales et les autorités nationales. Malheureusement, donc, on n'a pas de tradition à ce niveau-là, au niveau de la Tunisie. Donc, nous sommes dans les premières classes de la démocratie. Donc, il y a une forte résistance au changement. Et il va falloir donc, petit à petit donc, apprendre à collaborer entre société civile et donc, autorités locales et nationales. Les autorités locales et les associations, les organisations intergouvernementales, la société civile, le secteur privé et les médias, les institutions de recherche donc, et les institutions professionnelles. Donc là, on a des universités, 13 universités, plus d'une soixantaine d'établissements de formation d'ingénieurs qu'il faudrait les impliquer. Et tout à l'heure, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait au niveau des énergies nouvelles et renouvelables, avec des chiffres assez prometteurs donc, pour l'avenir de la Tunisie au niveau des énergies nouvelles et renouvelables. Voilà, donc en gros, les acteurs, les principaux acteurs des observatoires urbains, donc, c'est l'Académie, c'est les agences de support externe, c'est la société civile et principalement donc, le gouvernement central et les autorités locales. Voilà, donc on parle de réseautage, donc rapidement je vais... Voilà, donc tout ça, c'est le réseau de partenaires avec lequel on pourrait collaborer. Et je vais passer rapidement maintenant, donc la valeur rajoutée, si vous voulez, du réseau mondial des observatoires au niveau mondial, donc des observatoires urbains, c'est le soutien des observatoires urbains par les entreprises. Travailler en collaboration avec des partenaires, prioriser et se concentrer sur les points stratégiques. Il faudrait mettre ensemble donc, une méthodologie standard pour les indicateurs de développement, mettre en place des plateformes d'analyse régionale et globale, donc surtout pour la distinction interville, élaborer des résultats normatifs pour appuyer la formulation des politiques adéquates, apprendre les meilleures pratiques à travers le monde. Voilà, donc en gros, actuellement, il y a 310 observatoires urbains donc, au niveau du réseau mondial. Rapidement, je vais maintenant donc, balayer de manière assez rapide. Vous m'excusez, je vais garder donc, toutes les données qu'on va publier, il me semble, donc, au niveau du site. Et vous avez donc un peu la méthodologie, comment on collecte les données. Et puis comment on utilise les standards, je vais les balayer rapidement et je vais focaliser principalement sur le dernier axe, c'est l'expérience de Loum. Loum, c'est l'observatoire urbain de Monastir. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a
quels sont donc les axes prioritaires sur lesquels on a focalisé. Voilà. Donc, en gros, les types d'indicateurs, il y a des indicateurs d'élaboration de politique, je passe, les indicateurs du type input, output et résultat. Qui devrait utiliser les indicateurs? Eh bien, donc, les urbanistes, si Hatem, donc, ça vous intéresse, sauf qu'il faudrait adopter donc, les standards par thématique, c'est important, pour qu'on puisse comparer par rapport à d'expériences d'autres observatoires. Qui encore? Donc, le gouvernement, les citoyens, les businessmen et puis les ONG. Voilà. L'implémentation, voilà, donc il y a toutes les étapes qui concernent l'implémentation. Je vais passer rapidement, donc je ne vais pas les énoncer pour que je puisse focaliser sur les choses les plus importantes. Concernant donc la récapitulation, donc en fait, un, il faudrait qu'il y ait une mission, une vision et des objectifs clairs. Il ne faut pas que ça soit beaucoup, il faut focaliser sur les priorités et les stratégies, donc les priorités stratégiques plutôt de la région. Soutien politique, sinon donc on pourrait rien faire sans le soutien politique. Soutien financier et soutien institutionnel, donc il faudrait pour notre cas collaborer avec l'INS qui fait un travail excellent au niveau de la collecte de données. Il faudrait utiliser des indicateurs connectés aux intérêts locaux, nombre raisonnable d'indicateurs locaux, résultats clairs et stratégies de communication efficaces et bonne coordination avec d'autres acteurs du réseau mondial des observatoires. Et finalement, investir dans la formulation du staff. En deux mots, rapidement, concernant la prospérité. Est-ce que parmi vous, vous avez entendu parler de l'initiative de prospérité? Vous n'avez jamais entendu parler de prospérité? Oui, voilà, donc assez souvent on confond prospérité avec fortune, alors que ce n'est pas le cas. Il est vrai que trouver du boulot, c'est important pour la prospérité. Cela dit, donc on parle également de sécurité, sûreté, on parle de liberté, on parle de bonne éducation, de bonne santé, de bien-être. Donc tout ça, ça donne ce qu'on appelle la prospérité. Rapidement, je vais balayer donc tout ça, les objectifs. En fait, l'initiative de prospérité des villes... 3 minutes. Voilà, donc je vais essayer de balayer toutes mes diapositives en 3 minutes. Donc, en fait, l'initiative de prospérité des villes est une initiative mondiale, donc lancée initialement au 6e Forum urbain mondial en 2012. Et l'indice CPI, City Prosperity Index, a été développé pour évaluer la prospérité au niveau des villes urbaines. Donc, en gros, ça, c'est les étapes donc, pour l'initiative. Je passe. Ça comprend quoi? Donc, un CPI, donc un indice de prospérité, c'est un indice complexe composé de dimensions. Donc au départ, ça a été 6, maintenant c'est 9 dimensions. Donc la productivité, le développement de l'infrastructure, la qualité de vie, l'équité, l'inclusion sociale, la durabilité environnementale, la gouvernance urbaine et la législation. Donc tout ça, c'est les 6 dimensions qui vont devenir par la suite 9 dimensions. Voilà, donc, l'indice tel qu'il est présenté par cette diapositive-là, il comprend des dimensions et des sous-dimensions, et puis par la suite des indicateurs, et on parle de coefficients de pondération, et ça nous donne donc un indice, et avec lequel on va classer les pays et les villes, donc selon la prospérité. C'est comme ça qu'on définit la prospérité, et je vais vous montrer tout à l'heure donc, le classement mondial des pays, et notamment de la Tunisie, qui est en dents de scie ces dernières années. Voilà. Donc, ça, c'est, si vous voulez, les mentions par score, donc très bon, etc. Je passe. Pourquoi, donc, des poids, donc, on parle là des coefficients de pondération, et je passe. Il faudrait dire qu'il y a des variables qui sont interconnectées, par exemple, une mauvaise performance en matière de durabilité environnementale, et certainement donc a un impact sur les indicateurs de santé.
également mauvaise performance dans la gouvernance pourrait engendrer donc un impact sur l'équité et l'inclusion sociale. Et c'est ce qu'on constate actuellement dans les mouvements, donc voilà, le Harak Shabi al-Akhir. Voilà. Ça, c'est la roue, si vous voulez, de l'index de prospérité. Je passe. Ça, c'est au niveau des standardisations. J'ai parlé que collecter des données, c'est important, mais il faudrait à la fin passer par ce qu'on appelle la standardisation. Et ça, c'est le guide pour la préparation d'une standardisation technique claire. Vous avez donc la méthodologie. Je vais passer tout ça. C'est des maths. Donc, si vous voulez, c'est pour avoir des données selon les normes internationales. Je passe. Voilà. Donc ça, c'est les coefficients de pondération. Et je vous invite à faire le tour, donc à visiter le site www.prosperity.com. Et là où il y a le ranking, donc en tête de position, vous avez le Norway avec donc les différentes notes qui concerne donc les 9 dimensions maintenant, donc ce n'est plus 6, c'est 9. Et donc vous avez donc après le Norway, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, etc. Et puis donc pour le classement de 2017, la Tunisie en 94, et vous avez donc pour les 10 dernières années, la prospérité de la Tunisie qui est en dents de scie, donc ces 10 dernières années. C'est important de travailler là-dessus. Vous pouvez constater qu'au niveau sûreté et sécurité, nous sommes un peu taxés, pénalisés. Au niveau de l'éducation, donc malgré qu'on a lancé au niveau de l'université, je suis membre donc, dans la commission de réforme, et donc il y a une feuille de route pour la réforme au niveau de l'université. Il faudrait faire pareil au niveau donc, de l'enseignement, au niveau du primaire et au niveau du secondaire. C'est important de doter des données, c'est se doter donc des indicateurs parce que on va mettre au point donc les politiques adéquates et puis par la suite on pourrait vérifier si on est sur les bonnes routes, si ces politiques là donc sont bonnes ou mauvaises. Et donc d'après les chiffres, on constate que ce n'est pas assez bon. Donc vous êtes d'accord, hein? Bon, donc je passe. Je vais donc il me reste 2 minutes, il me semble. Donc, non, 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc ça, c'est pour montrer que l'Observatoire urbain de Monastir, c'est le certificat qui justifie que nous sommes membres officiels au niveau du réseau international donc, des observatoires urbains. Donc, nos challenges sont les suivants. Donc, former des experts en collecte, analyse et traitement de données, des indicateurs de performance selon les standards du programme de développement durable, ODD 2015-2030, pour les besoins du gouvernorat de Monastir. Et puis, deuxième axe prioritaire, former des experts en gouvernance locale, en démocratie participative, en décentralisation. Et c'est le chapitre 7 du pouvoir local de la Constitution tunisienne. Donc, en gros, l'objectif principal et majeur, donc, c'est identifier les différentes problématiques de la région de Monastir et planifier pour un développement durable sous un régime de bonne gouvernance locale. En fait, donc, il y a donc un gap malheureusement énorme entre la société civile et la municipalité de Monastir. Malheureusement, il faudrait le dire, et c'est le cas où Bauslatna Jabdakad Liklam. Voilà. Donc les priorités, c'est la santé et le bien-être, l'éducation de qualité, c'est l'ODD4, 6, eau propre et assainissement, énergie propre et à coût abordable, industrie, innovation et infrastructure, vie aquatique et finalement vie terrestre. Donc ça, c'est les points sur lesquels on a commencé à travailler. Et donc ce qu'on a fait, donc, on a commencé par collecter 30 années de documentation de la météo, la station météo, et on a commencé donc à collecter les données. Et puis quand vous voyez dans cette figure là, c'est les précipitations annuelles enregistrées à Monastir depuis 1986 jusqu'à 2016. Et on voit bien qu'on se trouve à partir du centre et au sud dans une zone semi-aride et aride. On a des difficultés en eau alors qu'on a 1400 km de littoral qu'il faudrait exploiter au niveau du dessalement de l'eau.
Et ça, c'est une priorité stratégique pour la sécurité alimentaire. C'est stratégique pour donc, la sécurité en eau, pour la bonne gestion en eau. Donc, ça vous donne ici à peu près donc, pour l'année 2016 les précipitations. Comme vous voyez, donc, c'est assez peu comme précipitations. Et c'est pour cette raison-là qu'on a coupé l'eau pour les agriculteurs de la région de Monastir, parce que, comme vous le savez, la région de Monastir comprend un site touristique de 52 hôtels et clubs, et donc on ne peut pas donc, avoir de l'eau pour ce site-là, et c'est pour cette raison qu'on coupe l'eau pour Ntajil Bakourat. Je ne sais pas Bakourat en français comment on le traduit, et ça vous donne, donc il y a des difficultés en eau. Ça c'est une figure qui vous donne donc, les répartitions donc, et les besoins journaliers en eau par personne. C'est autour de 135 litres par personne. Et vous avez la répartition. C'est important pour la bonne gestion et utilisation de l'eau. Parallèlement, donc, quand on parle d'énergie, on vient de découvrir qu'on a un potentiel important au niveau des éoliennes. En fait, la vitesse moyenne de l'air, du vent, pardon, c'est autour de 5 mètres secondes, ce qui constitue un bon site pour un potentiel éolien. Et en fait, il y a une région, donc je vais avancer un scoop. Je vais présenter un projet qui concerne l'île aux pigeons. C'est à quelques mètres du littoral de Monastir. Et ça pourrait faire l'objet d'une bonne centrale électrique éolienne. Ou bien sûr, une centrale. Donc ça, c'est la vitesse moyenne annuelle donc, du vent. Et puis ça, c'est le taux d'ensoleillement. À la fin, donc au niveau de la Tunisie, on a un potentiel énergétique important. Donc l'énergie, donc tout ce qui est ensoleillement, c'est important. Donc avec aux alentours de 3000 heures annuelles d'ensoleillement. Et ça, donc, c'est de l'énergie solaire qui est très importante, que ce soit le solaire photovoltaïque, c'est ma spécialité. Donc, solaire photovoltaïque ou bien solaire thermique, on pourrait exploiter ça et on pourrait avoir donc, avec l'ASTEG, penser à ça. Et au niveau de nos ressources, donc les énergies renouvelables et renouvelables, il faudrait bien exploiter tout ça. Un autre projet qu'on vient de présenter, je vais finir avec ça, donc, c'est la technologie LED. Quand on parle éclairage public, donc en fait, la technologie LED, donc, avec une durée de vie de 12 ans, donc à peu près 50 000 heures minimum pour une utilisation de 12 heures par jour, donc ça nous donne un retour d'économie variant de 30 à 80% par rapport à des lampes à mercure, ce qu'on utilise maintenant, le mercure ou bien la vapeur à sodium. Et donc, ça va nous faire également, donc, pour tout ce qui est changement climatique, de la réduction au niveau de l'émission du carbone. Je passe. En fait, pour la commune de Monastir, rapidement, on a 9000 lampes. Et en gros, je vais aller jusqu'à la fin. Donc, je vais pas vous harceler avec les chiffres. Mais en gros, je viens de découvrir qu'on dépense 2,4 milliards de millimes tunisiens pour l'éclairage public. On a présenté un projet détaillé avec des chiffres, avec des études, où on pourrait économiser entre 30 et 50% d'énergie en utilisant la technologie LED. Et également, on pourrait utiliser les détecteurs de mouvement. Surtout la nuit, donc dans les heures tardives, on pourrait donc allumer une lampe sur deux. Ça permet donc d'avoir des économies en énergie. Voilà. En gros, ça, dernière diapositive qui concerne les petites et moyennes entreprises dans le gouvernorat de Monastir, la figure donc, que vous voyez donc, sur l'écran, c'est l'évolution des petites et moyennes, donc l'évolution du nombre des petites et moyennes entreprises. Et donc, ces entreprises-là n'adoptent pas de politique énergétique, donc ils ne savent pas ce que c'est l'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique, c'est un gisement. Et là, donc, on a commencé au niveau de l'ordre des ingénieurs à créer donc, le nouveau métier de l'expert en efficacité énergétique. Il y aura
Inch'Allah, donc au niveau de chaque gouvernement, au niveau de chaque district, un bureau d'études pour l'audit et puis pour mettre en place les politiques adéquates pour l'efficacité énergétique. Et ça, c'est un gisement qui va nous faire gagner au moins 30% par petite et moyenne entreprise. Voilà. Pardon. Juste le petit message. Comment, donc, la dernière diapositive, est-ce qu'on pourrait la remettre juste pour... est-ce qu'on pourrait la... Non, ça ne fonctionne pas. Non. On ne peut pas revenir en arrière. C'est juste pour vous dire merci pour votre attention. Voilà. Merci. Voilà. Merci le beaucoup. Message que j'ai voulu, donc, d'accord. Pardon. Pour finir en beauté avec Merci. Ah, pour Jasmine Foundation, oui, c'est très belle, merci beaucoup. So thank you very much to all our speakers, and thank you for your attention as well. I think we had three very interesting examples of different ways that we can use observatories in different countries, and also an overview of what's happening in Tunisia, that there are actually observatories that are developing all over the country. And as we were discussing, these are very interesting examples of how to use the resources that exist within our country, that there are problems with funding, with capacities within the municipalities, but as we can see that there are a lot of resources within among ourselves that we can use, because as Jennifer was saying, we are all experts in some way on the things that we know. So why not actually contribute that to help, hopefully, build our municipalities and build better services. So thank you very much to our three speakers again. And I'd like to invite you, I'm sure you're very happy to hear this, invite you for lunch. And we will continue after lunch with talking more about mobilization and how we can engage young people in local governance. So thank you, we end. Oui, merci bien sûr à tous les intervenants. De nouveau, nos excuses à la SAS pour ne pas avoir donné la parole aux questions. Mais nous, on est là toute la soirée. On peut discuter vraiment très longtemps après. Il n'y a aucun souci. On essaierait de répondre pour les intervenants qui ne resteront peut-être pas. Mais juste petite information. Donc, on aura le panel qui va suivre sur l'engagement de la jeunesse. Avec moi en modératrice, vous serez très heureux. Avec Mith, avec Thibault. Mais surtout aussi, on aura une table. Soyez nombreux, avec nos jeunes aussi, hein. On va quand même leur donner un petit peu la parole, ça ferait du bien aussi. Et sinon, on a aussi une table ronde en parallèle, donc qui sera dans une autre salle, fermée normalement, avec un public spécifique pour parler de policy papers. Moi, je suis pas aussi bonne en anglais que toi, hein. Toi, t'avais un bon accent. Et en tout cas sur les réformes administratives et la politique d'austérité, justement, qui seront discutées dans la salle Orchidée. Et dernière petite information et question, je suis quelqu'un de sympa, j'ai perdu mon téléphone, il est quelque part dans la salle, si vous pouvez fouiller dans vos sacs et les regarder et me le donner, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, bon déjeuner, vous avez juste 40 minutes.